Winner final, les amis, c'est parti. Nihox contre Shoei pour cette winner finale. Alors que Gwiza nous demande si Lille, c'est la meilleure région de France sur Smash. D'un point de vue communautaire, parmi les meilleurs. Oui. D'un point de vue niveau. Non. Même si le niveau est très bon, il y a des gros gros joueurs, genre Naeda, Nishinoma, Silver. Même Silver il joue plus sur lui maintenant, ce temps-ci du moins. Il y a des très gros joueurs d'un point de vue niveau, il y a Mbubbz aussi, typiquement. Mais après, il y a un mid qui est un petit peu plus éloigné, je trouve, et il y a un écart assez. Enfin voilà, d'un point de vue général, c'est un petit peu en dessous, je dirais. Là où d'autres régions, tu peux trouver du niveau un peu plus haut. Je pensais à Nice, qui commence à step up de ouf. Marseille, je sais pas trop, ils ont toujours un bon niveau, c'est peut-être un peu baissé, mais il y a un niveau SO. Montpellier, il y a pas mal de bons joueurs, même si c'est un petit peu baissé récemment, vu que les gros joueurs commencent à bouger. Bordeaux aussi, pas dégueulasse. Donc non, il y a des bons joueurs partout, Strasbourg, pas dégueulasse non plus. Hein. Donc franchement, je pense que toutes les régions, bah, essaient de se valoir petit à petit. Et il y a des gros joueurs un peu partout. Mais il n'y a pas forcément d'avantage. Alors, quelle est cette musique? C'est quand même assez, j'ai pas vu. C'est le Smash 64, non? Ah, en tout cas, pour l'instant, Shoei qui a un stock de retard. Mais qui a monté petit à petit le Lucas. J'avais qu'il va être trouvé dans le shield. Non, ça va roll. Plutôt qu'il n'arrivera pas à punir malgré tout. Gogesta soutient Lulux. Gogesta qui joue du coup pas le de Pablo Donker après. Je sais pas s'il a hâte. J'arrive pas à commenter, la musique me perturbe vraiment. Quelqu'un peut me dire ce que c'est cette musique? J'ai besoin d'indices. J'ai pas vu le backer qui va se râler. Shoei qui va se revenir, qui va aller récupérer le neutral peut-être. Y'a pas vraiment de musique, ouais. Je l'entendais pas très fort en plus. Ouais, non, mais ils font trop de bruit. Arrêtez de vous battre! Ah, ils font trop de bruit. Ils font trop de bruit sur le terrain. C'est poup, 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 poup. Un truc comme ça. No Soon Request, la musique. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour l'instant, en tout cas, avantage Nitox, ce premier round. Battlefield, c'est compliqué pour Shoei. Hein. Ça m'étonne comme choix sur le Battlefield. Après, voilà, je pense pas que c'est un peu avantage non plus Lucas, mais c'est pas forcément une map sur laquelle je le vois à l'aise, le cher étant de Bowser Jr. En tant que le Picky Fire, ouais, c'est ça. En tant que le Picky Fire, hein, clairement. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne vous embêtez pas avec ça, hein, c'est juste une question, mais bon. Je pense que le son n'est pas très fort du jeu déjà, et malheureusement, la musique est pas très forte. Et le jab. J'ai trouvé, ça va toujours pas tuer. Mais ça va commencer à mettre en danger Nitox en second stock. Ça pourrait peut-être rappeler à Nitox que bah il est pas tant bien que ça. Le backer à la DI qui était limite. Qui était limite cette DI. Le fer qui va suffire. Il y a plus de jump, je crois, du coup, Nitox en plus. Pourquoi là, Shoei a porté un hubby, juste un petit hubby. Ça aurait suffi tellement pour punir. Je pense qu'il punit 15 000 fois en plus comme ça. Il punit jamais en hubby sur les recos, Shoei. C'est dommage. C'est dommage ce fer qui sort de nulle part. Ce fer qui sort nulle part et qui prendra ce stock 1-0 pour Nitox. Qu'on lui coupe les doigts. Qu'on lui coupe le bruit. Ah. Aïe aïe aïe. En tout cas, le top 8 a entièrement commencé. Hein. Pour ceux qui veulent savoir, il y a Brice et Lulux qui se battent. Pablo et Donker qui se battent aussi en début de 12h top 8. Tu le lis pas comme il faut, faut mettre le ton de la reine du cœur. Faut mettre le. Ah, le ton de la reine de cœur. Non, mais moi je.
Ah, je suis pas trop dans le délire d'Alice. Ah, ce qui est marrant, c'est que le message a été effacé par une modérateur is. C'est marrant, ils font du langage, comment ça s'appelle, avec les points là. On met du féminin et du masculin en même temps. Essayez comme ça sur Twitch. Faut juste le DL. Bah écoute, pour l'instant, ce qui fait DL, c'est cette recovery! Mon cher Justard, inclusif, merci Azadi. Twitch écrit en inclusif sur ce message. Je vous dis, c'est fait DL cette recovery. Et ce spike qui passera en tout cas. Promis déjà stock d'avance pour Nictox, il commence à s'énerver. Je pense que Nictox, je lui ai dit, regarde tes vieilles vidéos. Il a regardé ses vieilles vidéos et il commence peut-être à se réveiller! En tout cas, ouais, bah je pense que le DL prendra un an sur Nictox, mais bon. Si en un an on arrive à le DL. Regarde, Silver commence vraiment à y arriver de mieux en mieux contre lui. Hein. Donc, ah. Vous avez vu ce qui s'est passé? Shoei, il a fait une espèce de SDI sur son propre coup. Et da 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 da. C'est trop étrange. Il a avancé avec son hit. C'était trop bizarre. Trop bizarre ce qui s'est passé. Le smash glissera. Le smash glissera et passera apparemment, il prendra ce stock tranquillement. Nidox a DL Shoei.exe. Je sais pas quoi j'ai justement, il y a Nidox qui a fait un smash et il a avancé sur son propre coup. Il a glissé tout le long du coup, c'était trop bizarre. Puis vous comptez le smash peut-être. Mais je sais pas, il l'a fait en latence. Allez, Shoei! Shoei qui s'énerve! Shoei qui s'énerve, il trouve ses phases et Shoei qui était en galère va revenir tranquillement. Shoei sur PS2 égale MKLO à l'Evo. Peut-être, Gojesta. Peut-être. Ah, Pablo qui a out apparemment. Ah la reco, ah bah c'est toi derrière. Donne dire qu'il gagne 2-0 contre Pablo GG à lui. Et Doc qui va essayer de revenir tranquillement au match 7 pour 159. Doc qui va essayer de faire ses phases neutrales là tranquillement. Vous pouvez lancer votre match, Gojesta. On est que 1-0 sur la winner finale, donc vous avez le temps de la faire. Parce que je suis pas sûr qu'on aura du 3-0 en vrai quand on voit Shoei qui se réveille un petit peu. J'espère qu'il sera un peu en source spot là. Dommage pour Shoei. Je pense pas que ça aurait eu le kill de toute façon, mais ça laisse Nidox revenir tranquillement. Ça donne la confiance au Lucas qui fait beaucoup de pickfire. Ils passent tous, hein. Ils passent tous les pickfire. Il a roulé! Il a roulé tout le long de la map. Lio dit bah vas-y roule, hein, roule à mon ami. Aiden se ressent 2% et de côté 0,1% d'avance pour Shoei sur cette game. Peut-être le 0,1% qui peut suffire. Allez, ça reprend l'avantage du côté Shoei pourcentage. Le père qui passera pas. Heureusement qu'il est revenu sur le terrain tranquillement, hein, Shoei. Il reprend son neutral. Allez, ça me les gars qui va péter. Le mecha qui va péter. Oh, c'est la smash! Shoei, c'était à peu prévisible en fait parce qu'il a pas fait. Habituellement, il fait des projectiles quand il est seul. Là, il est resté à attendre. Il est resté à attendre. Il a directement fait le smash. Je pense que Nidox l'a vu venir. Pourquoi tu forces sur le jab? Le fer qui passera pas, heureusement, pour Shoei. Je pense qu'il a eu peur quand il a vu ce fer. Effleurait son véhicule. Effleurait complètement. Et directement. Don't-il jab? F-Strong, ça tuera pas encore. Nidox il fait peur, Nidox il fait peur, mais il a disparu. Mais what? Nidox il a fait 3 hits en l'air, il a fait 3 hits sur lui, il a fait non, je recule, j'esquive, je le prends pas. Mais le Pakir il passera quand même derrière. Waouh waouh waouh, on se calme mon ami. Et il prendra ce stock, ça c'est des phases. C'est des phases incroyables. Et de 0 pour Nidox actuellement. Aïe 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 aïe.
Ça va rester sur PS2. On avait un Shoei plus solide, mais Shoei un petit peu prévisible à la fin. Je pense qu'il a un petit peu stressé sur comment kill. Par contre, la phase de Nitox à la fin, à base de. En fait, Shoei est pas si mal joué parce qu'il a esquivé le premier coup, il l'a anticipé. Le second coup, il l'anticipe aussi. Il dit là, il va faire un back air. Je vais faire gaffe, je vais aller plus bas. Sauf que bah, Nitox, il a phase folle, il a fait un troisième back air, un deuxième back air et le spike sera trouvé. Et Shoei, bah là, il était un petit peu coincé parce qu'il était forcé à laisser vers le bas, faire un hubby. Donc un petit peu coincé, on dirait qu'il a anticipé toutes les possibilités, qu'il a bloqué telle une Bayonetta sur Smash 4. Toutes les lectures du monde. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde dit que le piggy c'est de la merde, mais bon, pour l'instant ça continue le kill à des pourcentages indécents et dans des phases qui n'existent pas. Alors que Shoei vient de se louper sur son side B et va mourir de manière magnifique en se déconnectant à la fin. Shoei qui nous fait profiter un petit peu de rasoir. J'espère que vous avez kiffé le rasoir. On kiffe quand les joueurs se montrent fair play, bien sûr, avec les adversaires et 3-0 pour Nitox.